Évidemment, c'est une drôle d'expérience d'avoir l'impression que quelqu'un va se tourner vers toi pour t'annoncer que ta vie se termine là. Vous sentez la faim le premier jour, et dès le deuxième, vous y habituez. Le troisième, vous ne sentez absolument rien, sauf que vous n'avez pas la même énergie que d'habitude. Mais on s'habitue, c'est tout. Le corps humain a une capacité extraordinaire à s'adapter, surtout si vous êtes capable de canaliser votre pensée, votre approche. La détention a au moins le mérite d'offrir une bonne occasion pour travailler sur sa propre conduite, corriger le mauvais et développer le bon que l'on porte tous en soi. La pratique de la méditation, disons un quart d'heure chaque jour, avant de se coucher, peut être très utile. Il est possible que dans un premier temps, tu aies du mal à identifier les éléments négatifs de ta vie, mais tu en seras récompensé si tu en fais l'effort régulier. N'oublie pas qu'un saint est un pécheur qui cherche à s'améliorer. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, les humiliations ou même la défaite. En prison, mon cœur et mon âme se trouvent toujours ailleurs, loin de ce cachot, dans le vel des labrousses. Je vis avec ces souvenirs accumulés pendant un demi-siècle. Par-dessus les autres, je me revois soigner le bétail, chasser, jouer.
Les armes spirituelles peuvent être efficaces, leur impact est souvent difficile à apprécier, sauf à la lumière de l'expérience. À un sens, elles transforment le prisonnier en un homme libre, le roturier en monarque, la boue en or. Pour le dire crûment, ce ne sont que ma chair et mes os qui sont coincés derrière ces murs épais. On trouve que je regarde trop le bon côté des gens. C'est une critique que je dois prendre en compte et à laquelle j'ai essayé de m'adapter. Moins vraie ou fausse, je pense que c'est plutôt une qualité. Souvent, quand j'arpente le long, large, ma cellule ou que je reste étendu sur mon lit, mon esprit erre au loin, ressassant tel épisode ou telle erreur. Je me demande souvent, par exemple, lors de mes heureuses périodes, hors de prison, si j'ai suffisamment montré à quel point j'apprécie l'amour et la gentillesse de tous. Ceux avec qui je me suis lié d'amitié et qui m'ont aidé quand j'étais pauvre et que j'essayais de m'en sortir. Après être allé en prison, ce sont les petites choses qu'on apprécie le plus. Pouvoir se promener, qu'on a envie de traverser une rue, entrer dans un magasin et acheter un journal parlé ou choisir de garder le silence. Le simple fait de pouvoir contrôler ses feuilles et ses gestes. Les hommes libres n'apprécient pas toujours ces choses. Elles ne procurent de la joie qu'après qu'on a été enchaîné.
2 mars 1977. Gros tremblement à 6h55. 25 mars 1977. Rêver que Cato, Georges et moi cavalions dans un champ verdoyant et dévalions une colline au galop. Cato tombe, je veux l'aider. Je me réveille alors que je me précipite vers lui. mai 1979. Virus de nouveau actif. Passe de l'œil gauche au droit. 20 mai 1979. Œil droit particulièrement douloureux et rouge. 23 mai 1979. Rêve que je rentre à la maison la nuit. Porte grande ouverte. Zami endormi dans un lit. Dans l'autre chambre peut être Zani et Zindi. Beaucoup d'escaliers dehors. J'embrasse Zani, elle m'ordonne de me mettre au lit. 24 mai 1979. Commencer à prendre les gouttes pour l'œil, Albucide 30% à mi-journée. 1er juin 1979. Espérer c'est facile, c'est vouloir qui gâche tout. 3 janvier 1980. Lecture de Black I Am, les 55 poèmes de Zindi. Je suis noir et j'ai 14 ans, apparaître bientôt. À Nelson Mandela et nos amos Mandela, condamnés au silence parce qu'ils endurent la souffrance pour nous. 13 janvier 1980, du lait pour le thé. 10 octobre 1980, 73 personnes ont signé la pétition pour Nelson Mandela. 30 août 1984, tension artérielle prise par le major Blidger 14,8. 19 août 1986, le révérend Peter Storey sur le pardon. 28 mai 1986. Je sais pourquoi chanter l'oiseau en cage. De Maya Angelou. Film de la bibliothèque. 18 février 1987. Une bobine de 52 fils dentaires commençait à recevoir 1 litre de lait frais par jour. 31 décembre 1989. Pression artérielle 7h 15,6, 15h45 14,8, taille de pantalon style 81-27. 7 mars 1989. Ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie. Je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit. Mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni génie ni pleurs.
meurtri par cette existence, je suis debout, Dieu que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, je profite l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.